Oui, bonjour, Christophe Pontet, la ferme des Charmilles. Bonjour, je dois venir chercher le semoir de la cumin. Quand est-ce que je peux passer? Demain matin, vous êtes ouvert ou pas? Bon, eh ben allez, je serai là-bas à 14h. Voilà, allez. Ici, on est sur la ferme des Charmilles. Alors, la ferme des Charmilles, c'est une vieille exploitation en bio. Moi, je suis la troisième génération, pour ainsi dire, avec une rupture dans le lien familial. J'ai repris à la suite des Jacquins. Donc, c'est une ferme qui est partie en transformation laitière dans les années 55 et agréée en bio en 65. Donc, c'est la première ferme bio du département. Sur cette production, donc, on transforme environ 100 ml de lait en yaourt, fromage blanc, dessert lacté et puis j'en passe. On attache beaucoup d'importance à la rotation des cultures pour essayer d'être le plus autonome possible sur l'alimentation des animaux. Donc ça, c'est une absolue réalité en bio. Autonome, c'est le maître mot. La présence des animaux pour faire du compost et des céréales pour utiliser le compost et pour redonner à manger aux animaux, c'est le cercle vertueux en fait. Par ailleurs, sur l'exploit, donc il y a plusieurs petits ateliers complémentaires qui sont hyper cohérents. Donc, notamment un petit élevage de cochons qui valorise les déchets de la laiterie, donc le petit lait. Il y a quelques poules pondeuses qui valorisent une partie des céréales. Et l'autre partie des céréales donc, qui est transformée sur l'exploit. Et ça me permet de vendre et de la farine ménagère et faire un petit peu de panification le vendredi. Une grande majorité des produits sont vendus au magasin à la ferme. L'autre partie, c'est collectivité, restaurant d'entreprise et puis les grandes surfaces du coin. Et j'insiste sur le fait que ma tournée de commercialisation ne fait que 40 km. Voilà, c'est super important pour moi. J'ai pas pour prétention de transformer tout le lait que je produis aujourd'hui. Ça m'obligerait à augmenter mes distances de livraison et ça deviendrait, je pense, incohérent. Donc il y a un terme qui est couramment utilisé par les producteurs fermiers, c'est « je produis, je transforme et je vends ». Et ça, ouais, ça prend tout son sens. C'est vraiment cet aspect-là que je trouvais vraiment super intéressant dans la reprise des Charmilles.